Salut à tous ces cosplayers, et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo crash test console de vide-grenier. Voilà, avec cette superbe Sega Mega Drive 2 que vous avez pu voir dans mon dernier vide-grenier live. Alors le crash test, je l'ai réalisé la semaine dernière sur le télé HD, et cette fois-ci on va se faire un petit test sur la télé cathodique. Voilà, allez, c'est parti. Alors, lors de mon précédent test, on avait testé le petit Sonic. Cette fois-ci, on va tester le petit Virtua Racing. La bonne vieille cartouche à l'ancienne. Allez, c'est parti. On va se faire un petit free run. Bon ben écoutez, la console marchait déjà super bien sur, sur mon écran HD, sur la télé cathodique, c'est pareil. Ça marche au poil. Superbe ce Virtua Racing, vraiment. Très bon souvenir. Voilà le crash. Bon voilà, on a testé le petit Virtua Racing. On se retrouve tout de suite et on va tester un autre jeu. Allez, c'est parti pour un State of Rage.
Bon, les amis, voilà, on va se quitter sur ces images. On s'est fait un petit crash test bien sympa. Voilà, avec cette superbe console qui est la Mega Drive 2 de chez Sega. Vraiment, vraiment, vraiment top. Vous avez pu voir, elle fonctionne à merveille. Alors effectivement, des fois, on a des petits grésillements au niveau du son. Bon, je pense que c'est rien de bien grave. Il suffit juste de bien remettre le câble vidéo à l'arrière, hein, de le tourner un petit peu comme ceci. Voilà, pareil pour l'alimentation. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, sinon tout fonctionne au poil, vraiment, il n'y a pas de souci. La manette, je vous l'avais présentée, les deux manettes sont vraiment comme neuves. La console est très très propre aussi. Bon, écoutez, pas de problème particulier du coup pour ce crash test console de vide-grenier. On se quitte sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.